Donc on est samedi et il est 9h53. Donc on va s'y mettre. Je crois que j'avais prévu dans mon emploi du temps de faire un sujet cet après-midi. Parce que je savais que ce matin, dans tous les cas, j'allais me lever tard. Donc j'aurais jamais le temps de faire 4 heures d'un sujet. Donc bah on va revoir un peu la dissertation, je pense. En fait, de base, je voulais vraiment me concentrer sur le commentaire parce que je me voyais pas prendre la dissertation lors du bac. Mais en fait ma prof de français nous a rendu les dissertations qu'on a faites. Et au final, j'ai eu 19. Donc je pense que c'est tout à fait envisageable que je puisse prendre la dissertation. De préférence, j'aimerais bien que ça tombe sur la littérature d'idées avec Olympe de Gouges, parce que le théâtre, c'est vraiment trop loin. Je vais réviser ça. Et aussi, je pense à un truc pas mal, c'est de revoir mes anciennes dissertations et commentaires et voir les erreurs fréquentes que j'ai faites pour éviter de les refaire encore une fois, peut-être. Parce que j'avais vu une méthode où en gros tu notes dans un carnet toutes les erreurs que tu as faites pour les retenir. Sauf que je vais pas prendre un carnet pour faire ça. Donc je vais prendre genre une fiche à erreurs ou un truc comme ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai fait des recherches sur des sujets de dissertation sur les fausses confidences, parce que c'était vraiment l'œuvre de la journée. Demain, je me concentrerai plus sur la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Immédiatement.
J'ai plus de mollets. Déjà avec toutes les côtes et les montées. Ah, j'ai plus de souffle non plus. Mais ça va aller, je pense. J'ai pris ma caméra pour me motiver à travailler. Ce qui peut paraître paradoxal, mais je pense que c'est mieux que j'ai ma caméra plutôt que d'être sur mon téléphone. Donc, il est 5h30 et je suis en pyjama puisque j'ai terminé à 4h et une fois rentrée du bus, je suis allée courir. Une course en fractionnée et j'adore, c'est trop bien. Donc du coup, je me suis douchée et je me suis dit que j'allais direct me mettre en pyjama. Donc voilà, là on a à peu près une heure jusqu'à ce que je dîne pour réviser. Donc hier j'ai fait un sujet de commentaire. Là je pense qu'il faut que je me mette à apprendre mes citations pour Marivaux et Olympe de Gouges. Je vais faire un sujet de bac complet puisque bah, j'ai largement le temps de faire 4h. Donc voilà, c'est parti. Depuis que j'ai fait du journaling, je suis vraiment plus en confiance. Et je sais pas pourquoi je suis persuadée que ça va être plus simple que je l'imagine. Donc voilà, je vais aller manger là. Et après on va reprendre. On va courir. Thank you.
que je suis roux? Non, ça va. Je viens de rentrer. C'était une course en intervalle. En fait, je fais mes courses sur l'application Nike Run Club, je crois. C'est la seule bien que j'ai trouvée gratuite. Et le coach, il est comme ça. Mais je crois que c'est que en anglais. Je suis en train de crever de chaud. Voici la fin de cette vidéo, je vous quitte à la veille de l'examen. J'espère que ce vlog vous a plu et si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt et gros bisous.